Ça chauffe pas mal ici, vous allez voir un petit peu pourquoi. Alors ici, on est devant un brûleur thermique. Je fais attention de pas trop rapprocher parce que la dernière fois, je me suis cramé un petit peu les cheveux devant. C'est vraiment très chaud. Je vais vous expliquer ce qu'on est en train de faire. On est dans l'agriculture bio et vous montrer comment ça fonctionne, cet engin qui est un petit peu hors du commun, on va dire. Allez, c'est parti. On va commencer par brancher la bouteille de gaz. Vous avez vu comment ça fume un petit peu, donc il y a lors du branchement à faire attention. Je vais ouvrir la vanne, c'est pour ça que je mets des gants parce que je pourrais me brûler. C'est vraiment très chaud, très chaud, très froid plutôt, brûlé par le froid, donc que le gaz dégage et crée une température négative. Ensuite on voit le tuyau hein, qui est tout simplement amené ici. Je ne vous montre pas la bobine de gaz, je ne veux pas ramener donc la caméra tout près. Au cas où ça ferait une étincelle ou une chaleur. Donc le gaz arrive ici et va aller dans la petite bonbonne qui est là, où on a des distributeurs qui vont envoyer. On a les deux turbines qui vont souffler l'air, voilà, pour plaquer et optimiser au maximum le résultat. Et on va peut-être voir comment ça s'allume. Il y a eu un petit peu ce que ça donne. Alors avant de tracer ma route, je vais tout simplement regarder ici mes profondeurs de travail. Ça se règle avec les deux roues ici métalliques, voilà, qui sont libres. Et le but du jeu, ça va être le plus près possible, d'être le plus près possible du sol. Donc voilà, je pense que je suis pas mal parce que je suis au bord. Je vérifierai peut-être au deuxième tour si je peux rabaisser un petit peu. Mais pour l'instant, on va rester comme ça. Bon voilà, tous les brûleurs sont en route. On va regarder ici un peu, vous voyez ce que ça peut faire sur le bord du blé. Et on va voir ce que ça fait après sur la plante. C'est assez sympa quoi. Alors ici je vais changer le réglage d'une des roues parce qu'apparemment elle n'est pas au top. Donc je vais voir ce que ça donne pour que ce soit abaissé vraiment au plus bas. Voilà, donc là je vais arrêter le brûleur pour éviter de me brûler. Hein, tant qu'à faire. Et puis on va essayer de monter ça. Je pense que ça va être... Et on va regarder si on est un peu plus proche du sol pour être vraiment à ras à ras. Le but du jeu, c'est un peu comme un four hein, c'est qu'il soit fermé. Si votre four de cuisine il est ouvert, et ben c'est pas la peine, il va pas forcément donner comme il faut. Et là on voit, ça a l'air posé à peu près, voilà. L'autre côté il est plus bas, mais je pense qu'il est un peu plié. Donc là il rase à peu près aussi. Bon, on va vérifier si ça passe bien. Allez, on va vérifier. Alors bien sûr, ça je le fais sans mettre en route le brûleur. J'ai pas envie de me cramer. Voilà, là on est pas loin d'être à ras. Hein. On voit la terre touche le bord, donc là c'est bon. Et ici c'est pareil, on est vraiment au bord, voilà, ça touche un peu à terre. Là c'est pas forcément gênant. Et là on vient raser sans pour autant gratter comme je l'ai fait là-bas. Donc on va vraiment être au plus près. Les bavettes vont servir à bien fermer, voilà, le four sans pour autant dégager la première partie, voilà, qui pourrait cacher une herbe et donc l'empêcher de brûler. Allez, on va pouvoir recommencer ça et remettre en route la petite turbine. Alors là, on a vraiment le temps idéal pour faire ça. On n'a pas de vent, c'est le matin de bonne heure. On est dimanche, ça se voit, je suis mal rasé, mais ça, c'est un autre problème. Et voilà, vous avez une petite brume. Donc en réalité, la brume va permettre de bien brûler tout ce qui a, garder les pores ouvertes des plantes, hein, comme on le fait pour un désherbage le matin. On a exactement la même chose. Et là, on va aller voir peut-être un peu plus loin ce que ça fait sur la plante. Vous allez voir, c'est assez radical, surtout là où il y en a beaucoup. Alors plutôt sur le haut de butte, vous allez voir, par rapport au bas de la butte. Hop. Et là, il n'y a pas photo,
Vous voyez un peu la plante, comment elle est. Alors on voit, ici ça va cramer bien vite derrière. On voit, si vous la prenez dans vos mains, voilà, elle fait du jus. Elle a dégagé son eau, en réalité, voilà. Donc elle est desséchée. Par contre, ici au fond, alors celle-là, ça va. Celle-là, ça va. On va regarder celle-ci. Bon, celle-ci, on voit que on n'est pas encore assez bon. Voilà, celle-ci, oui. Celle-là, non. On voit la différence. Enfin, quoique, je ne suis pas certain qu'elle ne soit pas prise. Voilà, donc il va falloir que je régule ma vitesse de travail en fonction de ça. En tout cas, le haut de butte est bien fait, il n'y a pas de problème. Et le fond de butte sera travaillé. Là, moi, vraiment, l'objectif, c'est le haut de butte. Voilà, avant le semis. Hein. Parce que ça, on le réalise avant le semis. On pourra le réaliser après aussi, mais c'est une sécurité pour nous de pouvoir le désherber avant. Parce que si on sème, voilà, on va cacher éventuellement une petite plantule, voilà, en dessous de la terre. Et si on repasse derrière, et moi, on va tout simplement pas la voir. Allez, on continue. Bon, ça réchauffe un peu, hein. Vous ne trouvez pas, vous? Bon, si vous avez 2 minutes, là, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous savez maintenant que je ne mets pas de pub qui coupe mes vidéos. Donc, si ça vous plaît, mettez-moi un petit j'aime, voilà, un petit like, ça me fera plaisir aussi. Et plus j'en aurai, moins je mettrai de pub, voilà. Je vais remplacer la pub par les likes si vous voulez m'aider. Donc participez en jouant à ça. Allez, on continue. Je crois que j'ai réussi à me recramer des cils ici. Faut vraiment faire attention à ce qu'on fait avec ça parce que les retours de vent sont assez impressionnants. Bon, une fois que j'aurai tout réglé bien ensemble, je vais pouvoir régler ma vitesse d'avancement. Mais pour l'instant, je continue à vérifier tout ça. Je crois que je serai au point quand j'aurai fini le champ. Voilà, c'est plutôt pas mal, on touche les deux bordures sans gratter le dessus, on est vraiment à l'optimum. Alors là, ce qu'on va regarder aussi, c'est tout simplement les réglages qu'on a au niveau de l'appareil. Alors donc là, on a la pression en barre, donc en gaz. Ensuite, on a la vitesse de tour minute des deux turbines, voilà, qu'on actionne avec l'hydraulique. Et ici, on a la température, donc 87 degrés, ce qui est plutôt bien. Voilà, du haut de la butte. Et ça, c'est mesuré par le petit capteur. Et ce petit capteur donc, va prendre la température voilà, du haut de la butte. Donc c'est pour ça que j'ai décalé tout à l'heure, il était dans le creux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le haut de la butte. Et là, on va vraiment avoir un bon niveau. Donc là, 80 degrés, c'est pas mal. Et maintenant, je vais vérifier si je peux accélérer ou pas. Là, je suis à 3 km/h. J'ai bien mes limites de fait. Voilà. Et là, le réglage, il est vraiment optimal. On voit les deux bords sont bien. On voit que ça fume un petit peu aussi, là, sur les buttes. Donc, ça veut dire qu'on dégage de l'eau. Et je pense que je peux maintenant accélérer ma vitesse pour éviter la consommation de gaz. Hein, voilà. Moi, on en use, mais on se porte, hein, forcément. On va y aller par palier 0,5 et vérifier la température. Je veux essayer de la garder aux alentours de 80 degrés, ça me semble correct par rapport au travail qu'on a. Ben là, je augmente un peu. Et j'irai vérifier le travail derrière, bien sûr. Alors, au
fait, je vais en profiter pour vous remercier de la dernière fois où je vous avais exprimé un petit doute parce que bah, j'ai des personnes qui m'avaient dit que voilà, j'en faisais trop. C'était sur l'épisode que j'ai enregistré sur la faucheuse, d'ailleurs qui a très bien marché, voilà, qui a été enregistré en même temps que le passage sur France 2. Là, c'était un enregistrement de France 2. D'ailleurs, le reportage était super sympa. Je vous le mettrai en lien ici en dessous si j'y arrive. Et vous m'avez vraiment soutenu en me disant que voilà, de toute façon, il y avait des rageux, il y avait des gens qui étaient jamais contents. Et là, j'imagine que certains vont se permettre de mettre un commentaire en disant « Tu te rends compte, Thierry, tu fais de l'agriculture bio, mais tu utilises un tracteur, tu consommes du gaz, c'est pas mieux, c'est pas si, voilà, voilà. » Bon, ok, l'agriculture bio, c'est un cahier des charges qui interdit l'utilisation de produits chimiques de synthèse. Grosso modo, c'est ça. Bon, pour autant, elle n'interdit pas l'usage d'outils qui permettent de travailler. Le gaz, on l'utilise aussi dans les villes pour brûler les bordures maintenant. Les particuliers aussi l'utilisent. Alors, est-ce que c'est mieux que du pesticide ou pas? J'en sais rien. Est-ce que c'est mieux qu'un herbicide? Franchement, j'en sais rien. Moi, je défends cette possibilité d'utiliser, voilà, une autre façon, et je pense que ça permet de faire avancer l'agriculture en général, parce qu'il y a beaucoup de pratiques qui ont été mises en place en agriculture biologique qui sont après reprises en agriculture conventionnelle, et ça permet de faire avancer les choses. Et je pense que c'est le côté positif. Tout n'est pas parfait, on est d'accord, hein, dans la bio, tout n'est pas parfait dans le conventionnel, on est d'accord. Personne n'est parfait sur la terre, parce que toutes les conséquences des activités humaines peuvent entraîner un problème sur notre terre, mais c'est un état de fait. C'est voilà, l'important c'est de faire évoluer les choses et d'essayer d'avancer. Bon, j'espère que je ne me suis pas trop emmêlé les pédales. Si vous avez apprécié mon idée, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis à répliquer aussi à ceux qui m'ont remis un commentaire en disant ça, voilà, qui n'auront peut-être pas regardé toute la vidéo, qui auront tout simplement cherché un raccourci. Et maintenant, je ne suis pas là pour plaire à tout le monde, donc désolé si ça ne vous plaît pas. Vous avez le droit de le mettre aussi, hein. Mais en tout cas, essayez de comprendre. Je pense que c'est le but du jeu. L'important, c'est de s'écouter et de se parler aussi dans notre milieu. Voilà, hop, une petite manœuvre et on va repartir. Là, il y a pas mal le colza. Tiens, on va en parler, nous, dans pas longtemps, du colza. Parce que là aussi, par contre, là, je parlerai de désherbage, parce que je suis encore en conventionnel aussi. Allez, on continue. C'est parti. Go. Voilà. Hop et hop et. -80 degrés. Ça me paraît pas mal. Je refais une petite vérif au bout. Ou entre deux s'il y a des buts, allez vérifier. Alors on arrive bientôt à la fin du champ. Je vais quand même vous montrer comment je fais pour travailler à plane. Alors travailler à plane, c'est-à-dire de reprendre son tour un petit peu plus loin. Donc là, je vais arriver au bout de la parcelle. Hop, je vais peut-être vous poser deux secondes, sinon je ne vais pas y arriver. Je relève juste, voilà, quand j'arrive à la fin. Alors là, je vais mordre un tout petit peu, voilà, sur la route, éviter de faire une manœuvre. Et donc je prends un peu plus large et ça me permet d'éviter de passer sur la fourrière et de tasser inutilement. Hop, je me place, j'appuie sur le petit bouton qui va bien pour enclencher le GPS, je redescends juste avant d'arriver sur le bord et je règle, hop, ma largeur en décalant un petit peu si nécessaire. Voilà, parce que parfois je peux avoir un ou deux, enfin 2 cm par paire de deux. Enfin, par paire de deux, c'est peut-être normal, paire de deux. Bon, bref. Donc voilà. Et là, on arrive quasiment à la fin du truc. Alors, c'est bien parce qu'on est dimanche et puis il y a un livreur qui vient ramener des poireaux aussi à la maison. Après, je vais me dépêcher de rentrer pour aller faire ça. Et bon, ça fait 4 heures que je suis dans le champ. Beau boulot, beau boulot. Et on est toujours à 87 degrés.
Alors le chant est terminé, ça fait 4 heures que voilà, j'ai démarré. On va regarder un petit peu ici ce que ça donne. Bah, on voit déjà une très nette différence de couleur, le vert pâle, enfin le vert foncé ici et le vert pâle en bas. Donc on voit ici, on n'a pas tout brûlé clairement, par contre là au-dessus c'est clairement bien cramé comme vous pouvez le voir. Et là l'action est bonne. Là ici en bas, je sais pas, faudra voir un petit peu, mais elles sont quand même assez foncées. Donc je pense que là c'est bien brûlé. Là quand on voit celle-là, à mon avis, elle en échappera pas. Hein. Donc même sur des grandes, voilà un peu l'effet. Et après j'ai accéléré un petit peu, mais c'est autre chose. Là par contre la pomme de terre, hop, elle, bah, elle a résisté, je pense. Voilà. Ça peut résister, ça peut. Voilà, c'est pas efficace forcément, surtout. Voilà, bah écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, mettez-moi un petit commentaire. Dites-moi comment vous faites pour désherber en désherbage mécanique éventuellement. Ou ce que vous avez adopté pour réduire votre impact phyto. Ça peut être intéressant aussi. Ça fait partie des économies qu'on peut faire. Et puis qui peuvent faire du bien aussi pour l'environnement. Hein, il n'y a pas de doute. Il faut qu'on avance nous dans nos pratiques. Donc voilà, mettez-moi ça en commentaire, ça me fera plaisir. Et puis surtout, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao !